Bonjour tout le monde, Soximos, et aujourd'hui on se retrouve pour le 12e épisode de Let's Build, et aujourd'hui on va faire une Formule 1. Donc voilà, je tourne les épisodes à la suite, donc voilà, je suis désolé si j'ai pas vos retours. Je suis en vacances et j'en profite parce que voilà, hashtag zone B, voilà. Même si vous verrez cet épisode, plus personne sera en vacances, mais voilà, j'en tourne plein à la suite parce que les cours, c'est difficile et j'ai pas trop le temps d'en tourner pendant les cours, donc voilà. Alors, je tiens à préciser qu'elle ressemble aux karts, la Formule 1, et aussi que bah du coup je l'ai construite en même temps, en 2013 je l'ai construite, hein. Allez voir la vidéo, j'en explique plus. J'ai construite cette voiture la première fois en 2013, donc ça date un petit peu. Voilà, on tente les 150 likes pour cette vidéo, donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Toujours, je sais toujours pas, parce que là je commence à construire des voitures et je sais pas si ça change des maisons et tout. J'ai trop peur qu'en mode ouais, je fais plus la même chose, je me désabonne et tout. J'espère que ça va pas se passer comme ça. J'espère que ça vous plaira tout autant. Bref, on commence la construction. Donc on va avoir besoin de laine rouge, de laine noire, d'escalier de quartz, de dalles de quartz et de cadres. Donc voilà. Alors, pour commencer, on va faire le châssis. On va mettre deux comme ça, deux sur les deux côtés et deux comme ça. On va poser des roues à chaque extrémité. Voilà. On va poser un escalier de quartz à l'avant. Un escalier de quartz, voilà, juste devant l'escalier de quartz. Enfin, une dalle de quartz devant l'escalier de quartz. Excusez-moi, je m'en mêle dans mes mots. on va poser un escalier de quartz comme ça. Bah non, du coup, on va en poser un comme ça. Et on va poser des dalles à côté. Voilà, comme ça. Et pour le spoiler, on va en mettre un escalier comme ça. Et les dalles comme ça. Donc voilà, ça fait plus Formule 1 comme ça. Je sais pas ce que vous en dites. Là c'est plus plat, c'est plus aérodynamique. Et souvent à l'arrière des Formule 1, il y a un gros spoiler qui est tout droit et tout, et qui stoppe un peu la voiture toute plate comme ça. Donc voilà, on va finir par mettre les jantes avec les item frame. Et bah, la construction est terminée les amis. C'est relativement rapide. Alors je vais me justifier pour dire que cette construction ne ressemble pas à cette construction, puisque sinon il va y avoir des rageux. Donc le spoiler n'est pas le même, le châssis n'est pas le même, la couleur n'est pas la même, le pare-choc n'est pas le même, et il n'y a pas de vitre ici alors que là il y en a. Donc voilà, je me justifie pour dire que les rageux font oh, tu fais la même vidéo et tout, ta gueule, ta gueule Jean-Kevin, calme-toi, retourne avec ton taper ton caillou là-bas là. Voilà, va te déchaîner sur le caillou qui est dehors. Donc voilà, c'était pour me justifier, parce qu'il y en a, ils vont dire oh, ça ressemble à la même chose, alors pas du tout. Là regardez, c'est plus voilà, ça se voit que c'est un kart quoi, c'est plus petit, c'est plus épais, alors que là c'est plus fin, c'est plus plat, on a l'impression, c'est aérodynamique, tu vois, au calme, tu vois. Moi je pense à tout, même si ça roule pas, c'est vraiment, je trouve ça stylé. En plus en rouge, ça fait vraiment Formule 1. J'espère que cette construction vous plaît tout de même. Voilà, j'ai pas passé de temps à la préparer. Comme d'habitude, je l'ai pas faite en live, puisque en fait j'avais déjà fait en 2013, donc voilà. J'espère que ça vous plaît quand même. Pensez à partager la vidéo à vos amis. Si elle vous a plu, vous pourrez faire des circuits en plus avec ces Formule 1. Vous pourrez en faire des verts, des rouges, des noirs, des bleus. Ça sera trop cool. Envoyez-moi des screens sur toutes vos constructions. Bref, comme d'habitude, pensez à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis, c'était Oximos pour vous servir. Allez, ciao ciao.